bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui sort un peu de l'ordinaire. Mais après tout, qu'est-ce que l'ordinaire sur ma chaîne? Comme je vous l'avais dit ou comme je vous en avais fait la suggestion dans ma vidéo retour de course Whole Foods de la semaine passée, si je me souviens bien, on va faire un taste test. On va essayer de trouver un nom un petit peu français pour cette vidéo. Mais on va faire un taste test de la pizza à pâte de chou-fleur. Donc la boîte est comme ceci. Je vous l'avais montré dans ma vidéo précédente. Et donc voilà, aujourd'hui on est vendredi soir, c'est soir de Saint-Valentin. Je suis toute seule car mon mari est encore en déplacement pour le travail, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo. Saint-Valentin oblige, petite pizza, petit vin. Alors c'est loin d'être un grand vin, c'est le Woodbridge Chardonnay, enfin le truc le moins cher qu'il y a au supermarché. Et donc je prends toujours des petites bouteilles comme ça parce que c'est pratique vu que je suis toute seule à en boire. Et donc voilà, j'ai très envie de tester ça. Ben on va voir. Alors je ne me souviens plus si il y a du vrai fromage dedans ou si c'est du vegan, mais là la pâte est très molle. Bah franchement, c'est pas mauvais, ça fait le job. Bah, c'est pas mauvais. Ça a le goût de pizza, surgelée. On sent qu'il y a que c'est pas une pizza traditionnelle, mais pour petit rappel, cette pizza, elle est sans gluten. La moitié d'une pizza, c'est 310 calories, 4 g de gras, 500 g de sodium, 2 g de sucre et 10 g de protéines. Donc elle est bien protéinée. Disons que si j'étais allergique au gluten et que je pouvais manger ça, bah oui forcément tu peux manger ça si t'es allergique au gluten, bah je serais pas démoralisée tant que ça. C'est pas mal. Après, elle est un peu molle en dessous, mais les pizzas parfois, c'est pas dur, en plus elle est très fine, donc... Mais la croûte ici, elle est bien dure. Donc, why not, j'ai envie de vous dire. Elle se tient. Et elle sent bon. Je crois que c'est de l'origan au-dessus, je sais pas c'est quoi comme épice, mais elle sent vraiment très bon. J'ai oublié de vous préciser, j'ai pris la pizza végétale. Après, si vous avez vu ma vidéo de la semaine passée, vous le savez, mais... Regardons plus de détails sur cette pizza vu que j'ai le carton en dessous. Regardons les ingrédients parce que parfois il y a des choses bizarres qui se cachent dans les ingrédients. Mon mari m'avait dit de faire attention à cette pizza là. Enfin, faire attention c'est un grand mot, mais que parfois ils disent pizza à pâte de... avec pâte de chou-fleur, mais il n'y a même pas de chou-fleur dedans, c'est de la poudre ou quoi. Donc celle-ci, le premier ingrédient c'est chou-fleur, puis sauce tomate, un mélange de mozzarella et de cheddar, de la farine de riz brun, l'équivalent de la maïzena, poivron, de l'eau, du tapioca, de l'huile de tournesol, de l'huile d'olive extra vierge, du sucre, de l'œuf, du xanthan gum, j'ai déjà vu cet ingrédient, ils vendent ça au supermarché, du yeast, le yeast c'est la levure, du sel, du vinaigre, de la poudre, du bicarbonate, et puis c'est tout, et du basilic. Ah oui, c'est du basilic, c'est pas de l'origan, le goût. C'est vraiment pas mal. Je suis pas déçue. Donc ça passe le test. Après, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien les pâtes fines. Je pense que la marque devrait faire aussi une version avec de la pâte épaisse. Comme ça, ils montrent qu'ils ne font pas juste de la pâte fine parce qu'il n'y a que ça qu'ils peuvent faire. Mais ouais, si j'étais eux, je ferais une pâte épaisse aussi. Bah, franchement, les ingrédients, je les trouve super clean. Et je vois ici, ils ont 6 autres variétés. Ils ont du pepperoni à la dinde, du pepperoni normal, la margarita. Alors je sais que la margarita aux États-Unis n'est pas la même margarita qu'en Belgique ou en France. Enfin, il faudrait que je vérifie. Mais je sais que quand je vais dans un restaurant, mon mari me dit ne demande pas une margarita, demande une pizza fromage. Mais je sais plus exactement la différence. Si quelqu'un le sait, mettez dans les commentaires. Si pas, quand j'éditerai la vidéo, je mettrai moi dans les commentaires. Une 3 fromages, une original plain crust. Je sais pas ce que ça veut dire. Oh, et ils ont une paleo plain crust. Ça serait sympa à tester ça. Du coup, vu qu'on essaye la diète paléo. En parlant de diète, faut que je vous en parle parce que comme diraient les Québécois, je suis trop fru.
Vous savez, si vous avez regardé mes récentes vidéos, que j'essaie vraiment de changer mon alimentation et d'arrêter les aliments trop transformés. Aussi, pour vous faire un résumé, je vais vous dire exactement tout ce que j'ai arrêté. Depuis janvier, à part aujourd'hui et cette semaine, mais j'y reviendrai, j'ai pas mangé de fromage ni de produits laitiers. Je n'ai pas... Donc, en dehors de cette semaine, hein, dites-vous, la semaine du début de l'année jusqu'à la semaine passée, j'ai pas mangé de viande rouge, j'ai pas mangé de charcuterie, j'ai pas mangé de fromage, j'ai mangé une salade au moins une fois par semaine. J'ai arrêté le café, pas pour vraiment une raison diète plus qu'une autre, mais plutôt parce que j'ai voulu changer mon petit déjeuner. Du coup, enfin non, le café je l'ai pas arrêté, je l'ai continué le week-end. Je mangeais des pancakes le week-end et je mangeais des œufs sur le plat ou des œufs brouillés avec des pommes de terre, parce qu'aux États-Unis ça se fait beaucoup. On pourra un jour parler, si vous voulez, de ce qu'on mange aux États-Unis à certains moments, que vous allez peut-être trouver ça bizarre ou normal après tout. Hein. Mais donc, enfin, soit mon petit déjeuner, la semaine il était clean. Le repas de midi, je faisais une combinaison, soit un carbohydrate et un légume, soit une protéine et un légume. Le soir, un peu pareil. Enfin, j'ai arrêté, je mange pas de poulet non plus, je mangeais du saumon à la place. J'ai mis des légumes, enfin soit. J'ai essayé de faire au plus clean possible, j'ai pas mangé de bonbons. J'ai perdu 0 gramme. Mais quand je vous dis 0 gramme, bon, chez nous on se pèse en pounds ici, donc ma balance elle est en pounds. Je n'ai rien perdu du tout. J'étais vraiment frustrée parce que tu sais, au moins 1 ou 2 pounds ça aurait été vraiment sympa. Ben là, que dalle. Du coup, j'étais mauvaise, hein. Et cette semaine, il y a les grands patrons de mon travail qui sont venus. Et quand ils viennent, ils nous invitent toujours à souper un jour au soir. Parce qu'ils habitent dans un autre état. Et aussi, comme je m'occupe du marketing, tout ça, et qu'il y a directement ma supérieure marketing qui vient, c'est un peu mon boulot de les faire se sentir comme chez eux. Et donc, j'avais acheté plein de bonbons pour mettre dans la salle de conférence. Mon chat qui va venir sur la table. Et donc, j'avais fait ça, sans l'intention vraiment de manger des bonbons. Mais donc, cette semaine, comme j'étais vraiment stressée parce qu'ils allaient venir, déjà, j'ai pas bu mon smoothie du matin comme je fais d'habitude. J'ai bu du café. Mon repas du midi, habituellement j'essaie de mettre un légume, d'être raisonnable, machin. J'étais pas raisonnable du tout. J'ai mangé que des carbohydrates. Quand on dit carbohydrates, encore une fois, je pourrais vous en faire une précision, mais les carbohydrates, c'est le sucre. Mais même le sucre lent, du coup, les pommes de terre, c'est des carbohydrates. Tout ce qui n'est pas une protéine et un légume comme la salade, les épinards, c'est considéré comme un carbohydrate. Donc j'ai mangé à... Tout ce que c'est pas essentiellement mauvais pour la santé, mais j'ai pas mangé aussi clean que les semaines précédentes. Au restaurant, j'ai mangé des chicken tenders avec des frites et les macaronis au fromage. J'ai mangé le reste hier parce que j'ai pris le reste à emporter. J'ai pris du café avec du lait végétal, mais bon, quand même. Enfin voilà, mais ma diète elle était pas aussi clean que d'habitude. Et vous me croirez ou vous me croirez pas, j'ai perdu presque 3 pounds. 3 pounds, c'est à peu près 1,5 kg, je crois, 1 kg quoi. Je suis vraiment dégoûtée parce que oui, on pourrait se dire bah c'est nickel, t'as perdu du poids en mangeant des crasses. Oui, mais non, parce que si c'était ça la recette, bah du coup je serais super skinny, appelez-moi Kendall Jenner, qui vous voulez. Du coup j'ai arrêté toutes les crasses en janvier, ça n'a rien fait dans mon alimentation, je bois pas de soda non plus, hein. Le vin c'est la première fois que je... Non, j'ai bu du vin cette semaine au restaurant, j'ai bu du vin, c'était la première fois que je buvais du vin depuis que mon mari est parti, donc depuis début janvier. Et je crois même qu'il y a un jour de cette semaine où j'ai bu une canette de soda alors que j'en avais pas bu depuis, du coup je suis dégoûtée. Parce que comment voulez-vous que j'ai envie de manger de la laitue, de la salade, je sais ni quoi. Du coup j'ai pas mangé ma salade de la semaine, hein. Ouais, et bah j'ai perdu 3 pounds. Je serais bien, ça a l'air débile comme problème parce qu'il y en a beaucoup qui font un régime puis ils font un petit accro et puis ils le payent cher sur la balance. Mais moi je préférais que mes efforts soient récompensés, si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'au moins ça nous apprend à prendre des bonnes habitudes ici. Croyez-moi, j'ai pas envie de faire grands efforts. Après, le truc que je me dis, c'est que, comme je vous l'avais dit dans ma première vidéo retour de course, mon changement d'alimentation et le régime paléo, je le fais pas spécialement pour perdre du poids. Parce que si mon objectif numéro 1 c'était de perdre du poids, j'ai ma salle de sport qui est là, je pourrais très bien aller et faire un peu de sport. Et donc là, je pense que ça m'aidera à perdre du poids. Le chat, il fait des bêtises dans le canapé. Je le fais vraiment pour ma santé parce que je sens qu'il y a plein de crasse dans la nourriture ici. J'ai des amis qui ont fait des road trips aux États-Unis. C'est un peu grâce à eux que je m'en suis rendu compte. Après. Je m'en doutais aussi, mais depuis que j'ai déménagé ici, j'ai un peu grossi, alors qu'en Belgique, je faisais bouffer des frites du matin au soir. Et j'étais plus mince. Lol. Du coup, j'ai quand même envie de faire attention aux ingrédients qu'il y a dans l'alimentation que je mange. Et puis, je me sens plus heureuse, je me sens mieux dans ma tête de me dire que je ne suis pas dépendante de la crasse, quoi. Enfin,
à mon bureau, on n'est que des femmes. Il y a deux filles qui sont... Il y en a une qui fait un peu la compta, comme ça. Il y en a une qui est au front desk. Il y en a une qui s'occupe de faire louer les magasins dans le centre commercial. Il y a moi qui fais le marketing. Et puis, il y a notre manager général. Notre manager général, elle est comme ça. Elle mange pas énormément, mais elle mange pas des McDo. Mais malgré tout, je crois que son alimentation, il est middle, quoi. Elle est du genre à croire que le fromage, c'est bon pour la santé. Et voilà, quoi. Mon autre collègue qui s'occupe de faire la location des bureaux du centre commercial, elle est à fond Weight Watchers. Si elle devait choisir, elle serait plutôt keto. Elle aime bien manger que des protéines ou parfois elle mange des petits trucs de fromage, des petits sticks de fromage, mais elle mange pas de crasse. Quand elle a du gâteau, elle va manger deux petits morceaux de gâteau. Elle est assez bourgeoise et athlétique, si je peux dire. Et mes deux autres collègues, elle alors, c'est le festival du fast-food au bureau, c'est un truc de fou. D'ailleurs, ça se voit sur elle. Enfin, elle, le matin, parfois, elle ramène du fast-food, quoi. Il est 9h du matin, elle ramène du Chick-fil-A, du McDo, tranquille. Après, je sais qu'ici, c'est accepté et que les gens, ils regardent pas ça de travers et qu'ils trouvent ça pas forcément normal, mais bon, ils relèvent pas ça. Et moi, quand je la vois arriver le matin avec son Chick-fil-A, je me dis, mais enfin... Donc du coup, manger bien, dans mon esprit, bah, je me sens mieux quoi. Quand j'ai une journée où j'ai fait un vrai effort alimentaire, je me dis, ah bah c'est bien, t'as le contrôle sur ton alimentation, au moins t'es pas là à bouffer du Chick-fil-A au travail. Je préfère ne pas rentrer dans un maillot de bain ou avoir l'air dégueulasse dans un maillot de bain, mais au moins de me dire que je fais un effort et que l'intérieur de mon corps, il est clean quoi. Je préfère avoir le poids que j'ai et manger lean que si j'étais super mince et que je boufferais des saloperies tout le long du jour. Et parce que j'ai l'impression que de toute façon ça nous rattrape un jour. Donc c'était un petit peu ma plainte du jour que j'avais envie de vous partager dans cette petite vidéo. Bon, la pizza, elle bourre bien, elle est pas dégueulasse, elle fait le job. Si j'étais forcée à manger ça, il y aurait pire. Je me sentirais pas non plus... Ça a le goût d'un cheat meal, si vous voulez. Elle devient froide très vite, par contre. Après, je vous ai raconté ma vie, donc forcément. Du coup, on est vendredi soir. J'ai envie de vous faire ce petit mukbang. Causer un petit peu avec vous. Après, je vais regarder le replay de Touche pas à mon poste. Parce que c'est ça que je fais le vendredi soir. Tous les vendredis soirs. Ça me détend. Et mon mari, hier, m'a envoyé des chocolats. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu. Il m'a envoyé des chocolats Neos. Alors je suis aux anges parce que je m'y attendais, mais absolument pas. Je vais faire une petite soirée vin, chocolat Neos, sur le canapé derrière. Avec mon petit chat qui a envie de faire des bêtises. Et pas content parce que le vendredi soir c'est son moment, vous savez. Et à mon chien qui attend à la porte. Mais si j'ouvre la porte, il va partir. Ben voilà, c'est tout ce que j'avais à partager. J'ai bientôt fini ma pizza. 620 calories quand même que je vais m'enfiler, l'air de rien. Au pire, ça va me faire maigrir, hein. Bah donc du coup, merci d'être venu regarder cette vidéo, d'avoir partagé ce petit bout de Saint-Valentin avec moi. Si vous avez des questions ou des recommandations de vidéos, surtout n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires parce que j'ai vraiment besoin d'inspiration et je veux savoir vraiment ce qui vous plaît. En tout cas, moi ça me fait toujours plaisir d'interagir avec vous dans les commentaires et d'accueillir les nouveaux. Donc pour les derniers arrivés, merci d'être venu. Merci de me rejoindre. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un retour de course. J'espère que vous avez passé une bonne Saint-Valentin. Que si vous étiez seule, elle fut aussi... voilà, que la mienne. Je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao !